refuge Porte de Roswell est souvent montré dans les ouvrages d'architecture ou dans certains documents comme une référence d'une adaptation d'architecture à un site, à une pente. On est intervenu sur un bâtiment qui a été construit par Christian Durupt, architecte emblématique, dans les années 70. Et à l'époque, ce bâtiment servait de refuge l'hiver et l'été. Pour des questions de sécurité, il a été fermé l'hiver et il a été maintenu dans son activité estivale. Ici, on a un public mixte. On a à la fois du randonneur de passage, notamment sur le GR5 ou d'autres itinéraires. Ça peut être aussi un point de départ ou d'arrivée d'une randonnée de plusieurs jours, par exemple le tour de la Valaisonnée ou le tour du Mont Pourri. Donc on a toujours ce public de randonneurs, mais il y a aussi une attente plus forte, des exigences aussi particulières, par exemple du point de vue des scolaires. Au-delà de la notion de refuge, le parc a souhaité intégrer un accueil au rez-de-chaussée et on a été amené à transformer le bâtiment pour le rendre accessible à des handicapés. Donc en fait, on a fait une restructuration lourde sur les espaces de vie, les chambres, les sanitaires, tous les locaux annexes, sur la cuisine aussi qui a complètement été restructurée. Et on a été amené à créer une grande ouverture dans la salle de restaurant pour voir le Mont Pourri. Avant, on ne le voyait pas, donc on a vraiment été amené à toucher une grosse partie du toit pour amener de la lumière du nord, mais aussi pour permettre les vues. Sur le plan du couchage, on n'a pas bouleversé non plus l'offre du refuge, ça reste un refuge, avec du couchage collectif qui va de 4 à 8 lits par unité, donc ça reste 10 lits pour le dortoir du rez-de-chaussée. Ça reste du dortoir, mais du dortoir quand même à taille humaine et avec des lits individuels qui permettent quand même de bien dormir. Il y a une chambre pour une ou deux personnes à mobilité réduite avec sanitaire adapté, donc ça c'était une exigence importante, puis une possibilité donc d'accueillir ces personnes autrement que simplement à la journée, leur permettre de passer une ou deux nuits sur ce site qui est quand même majeur et majestueux. Il y a une évolution assez importante des attentes de la clientèle. Le montagnard rustique qui aime souffrir et qui se soucie très très peu du confort, c'est de plus en plus rare. Et si on veut attirer une nouvelle clientèle, un nouveau public, y compris les publics jeunes, c'est indispensable de mettre à niveau ces refuges. Roswell, c'est un bel exemple. Alors il ne s'agit évidemment pas d'aller vers de l'hôtellerie, mais des espaces de couchage peut-être un peu plus spacieux, un peu plus intimes et ne plus avoir d'immenses dortoirs, des salles pour sécher les vêtements lorsqu'il y a des intempéries. On veut que ce lieu il reste lui-même, c'est-à-dire qu'on ne veut pas en faire un haut lieu touristique au sens, j'allais dire, péjoratif. Hein, on ne veut pas retrouver, j'allais dire, certains sites qui sont surchargés de touristes, mais au contraire un lieu de repos, un lieu de découverte, un lieu d'initiation, un lieu école, un lieu qui reste indemne pour que les gens viennent ici pour apprendre à respecter la nature, pour apprendre, j'allais dire, à être éco-citoyen. Nous avons le projet de faire d'une part des promenades confort, hein, des anneaux de 500 à 3 km, qui permettraient à des gens à mobilité réduite ou tout simplement des gens qui n'ont pas envie de prendre de sac à dos, les chaussures de montagne et avec des enfants en bas âge, de monter forcément en altitude, mais de faire des petits itinéraires qui leur permettraient de découvrir le parc à distance, certes, mais comme on voit les chamois, les bouquetins et le gibier de barbu à quelques centaines de mètres, ça leur permettrait justement d'avoir, j'allais dire, une approche du parc qui les inciterait plus tard justement à prendre les chaussures de montagne et de monter plus haut. Plus tard, on va essayer d'aménager des zones, des aires sanitaires, de pique-nique. On parle beaucoup maintenant du tourisme contemplatif, mais on voudrait que justement ce soit une zone où les gens viennent et se posent, se mettent face à la nature et fassent en sorte que, ben, ma foi, on passe des vacances autrement. Donc là aussi, c'est une question de mesure et d'adéquation entre les situations, les besoins, notamment des visiteurs, mais aussi les besoins des gardiens, parce que ce sont des professionnels qui travaillent plusieurs mois loin de chez eux et qui ont besoin aussi de bonnes conditions de logement, de travail, de préparation des repas et de toutes les fonctions techniques qui sont associées à cette fonction de professionnel. Ça nous a complètement changé la vie, c'est-à-dire que travailler dans une structure neuve, c'est quand même beaucoup plus facile et plus agréable. On a gagné en confort. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'on n'a pas touché à l'esprit de l'architecte d'origine.
Et ça, je trouve que c'est important. Cet esprit-là a été conservé, quoi. Le vitrage avant apporte une touche moderne. C'est plus ouvert, quoi. C'est plus ouvert. La salle est plus ouverte. Les couloirs paraissent plus éclairés, hein, donc plus grands, forcément. Ce qui a été repensé, c'est surtout la fonction d'accueil. C'est-à-dire que le bâtiment qui assurait auparavant les fonctions classiques d'un refuge, hébergement, restauration, a été repensé pour assurer davantage une fonction d'accueil-information. Et c'est la logique qui a prévalu pour aménager au rez-de-chaussée un point info vanoise, donc un lieu d'accueil et d'information, qui est géré non pas par les gardiens du refuge qui sont occupés par leur activité d'hébergement-restauration, mais par une hôtesse du parc qui assure en juillet-août, au moment où il y a le plus de monde sur le site, cet accueil, cette information, et puis aussi pour les visiteurs qui le souhaitent, la diffusion de produits, de documents en relais de la boutique du parc. Avec une architecture comme la Vosuel, ça attire l'attention, les gens ils sont curieux, mais qu'est-ce que c'est ça? Il vient découvrir aussi que c'était un refuge, une porte du parc pour aller dans le parc national de la Vanoise. Il est vraiment très joli et puis bien en harmonie avec tout le parc de la Vanoise, donc c'est très accueillant, ça fait plaisir. C'est un bel endroit. On apprend plein de choses sur, en même temps, le lieu et sur le Jubaït surtout. C'est grand, ça a le ventre roux, c'est un rapace, c'est un charognard. C'est rare d'en voir un. L'accès est plus facile pour ceux qui voulaient les renseignements pour le parc national de la Vanoise. Et je reçois énormément du monde. Et les gens, je crois, ils sont très contents aussi de voir un accès d'informations plus faciles et pour profiter de notre belle vallée pour accéder dans notre parc national de la Vanoise. Je dirais refuge-auberge, puisque effectivement la table est bonne, on peut simplement se contenter d'y venir déjeuner ou dîner après une randonnée de préférence. On peut y dormir en tant que randonneur itinérant, on peut y dormir plusieurs jours pour se balader ou même profiter simplement du site et de sa beauté. Et en même temps, le mot refuge-porte, qui existe depuis l'origine du parc, on est bien ici dans la traduction concrète de l'esprit du refuge-porte, qui est un lieu de service, mais aussi un lieu d'accueil-information et de sensibilisation. On revient aux origines, et d'ailleurs, quand vous regardez les schémas initiaux d'aménagement d'un refuge-porte tels qu'ils étaient conçus à l'époque par l'équipe de Denis Pradel, architecte et fervent instigateur du parc, on est bien dans l'esprit, je pense, de l'aménagement initial.